Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir. Un frère musicien m'a demandé si je pouvais lui faire la couverture de son CD, une peinture, inspirée de, je vais vous lire, d'un verset de Jean 3, 8, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors je le mettrai sur la vidéo. Alors, une de mes cartes postales que j'ai faites auparavant lui avait plu. Il y avait un personnage qui s'avançait avec une lumière au fond. Alors on en a discuté un petit peu, je vais essayer de faire quelque chose de projeter l'idée qui en est ressortie. Alors comme d'habitude je cherche mes pinceaux. Bougez pas. Voilà. La lumière doit être par là. Un personnage ici. Puis je vais faire quelque chose qui fera penser un peu au vent, des ondulations comme ça, et qui fera aussi comme une porte de musicale avec la clé de sol. Un parallèle. Bon allez, on y va. Je vais commencer avec un bleu peut-être clair. Ma palette, où elle est. Je vais essayer de faire à sec un peu pour avoir des. Je vais parler un peu moins, puis je vais essayer de faire. C'est parti. Bonjour. Il y a une lumière au fond là. Ça sèche vite parce que je me très peu. Un peu plus intense. Un peu plus foncé sur les bords. Ce qu'il faut, c'est que ce soit le plus spontané possible. Être prisonnier des. C'est pas la perfection que je. C'est pas la photographie que je vise. C'est pas du réalisme. Je peux le faire, mais bon. C'est très technique et pas forcément spirituel. Bon. Je vais le laisser sécher et je reprends de suite après. De suite après, bon, j'ai pas laissé beaucoup sécher, mais je vais faire le personnage. Là. Le personnage, il doit avoir une croix rouge sur la poitrine. Alors, comme j'ai pas envie de tourner en tour, autour de la croix, je pense que je gratterai ou je ferai avec autre chose. Bon, je vais faire voilà la tête que je pourrais modifier après. Je vais lui donner de l'importance quand même à ce personnage. Bon, il avance. Pour regarder vers le ciel.
nettoie la face. Juste pour montrer que c'est pas de dos quoi. On lui plante des cheveux. Bon, ça va. Sinon, je vais être jaloux s'il y en a plus. Comme la lumière vient de là, on va faire une ombre par là. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Mais là, je vais attendre que le papier soit sec pour de bon. Bon, me revoilà. C'est sec maintenant. Je vais. Je vais essayer de faire cette portée médical qui fait comme un vent comme Ah, il y a du vent, il y a de ça partout. Je sais plus comment on fait là. Ça ressemble un peu à une clé de sol. Je crois que je l'ai un peu là. Un peu raté, mais c'est pas grave. Il y a 4. Allez, on va en faire un. T'inquiète. Ben, je vais assombrir encore pour autour pour qu'il y ait un peu plus de contraste. Allez, un petit coup de plus. Je parle pas trop. J'essaie de me concentrer sur ce que m'a dit mon musicien. L'esprit saint, c'est dur à peindre un esprit. J'ai pas vu de photo de lui. Maintenant que j'ai bien assombri, il va falloir que j'éclaircisse encore. Voilà.
Enfin, faut que tu t'arrêtes, Estival. C'est plus fort que moi. Arrête-toi. Je vais dégager un peu la tête là. Je rince mon pinceau. La tête, la silhouette même. Et avec le chiffon, enfin le mouchoir en papier, j'absorbe. Si je veux faire des éclats de lumière, j'ai qu'à mouiller un petit peu. Je vais prendre une autre feuille. Par exemple, là, si je veux dégager, là, ça. Si j'ai mouillé le personnage. Je mouille avec de l'eau claire. Et j'absorbe. Oh, bien sûr, je prends du noir d'un côté en mettant de l'eau. Et quand je vais plus loin, ça le redépose. Faudrait rincer le pinceau à chaque fois, quoi. Bon, est-ce qu'il y a assez de... Ouais. Bon, je vais essayer de dégager la croix que vous voulez sur la poitrine. Je vais prendre un pinceau tout fin. Je vais prendre celui-là. Mais je pense qu'il ne va pas aller quand même. Je vais essayer d'utiliser la pointe. Il n'est pas. Bon, ça devrait aller quand même. Croix. Merde. Pardon. Non, je l'ai pas dit. Dépose trop d'eau. Mince. Ça c'est mieux, Steven. Bon, ça fait une croix, mais. Ouais, il y a trop. Il est. Le papier n'est pas assez sec, quoi, en fin de compte. Il est trop humide, alors ça se répand. C'est bien pratique de mouiller et de pouvoir récupérer les blancs. Toujours évident quand même, c'est pas facile. Je vais j'ai une croix qui s'est bien étendue là. Je vais mettre du rouge. Il voulait une croix rouge, je vais faire une croix rouge. Je croyais qu'il regardait vers le ciel. J'aime pas le côté pointu qu'il y a là. C'est pas le chanteur M que je peins. Bon, le rouge.
Qu'est-ce que ça dit, le rouge? Je dégage un peu cette ombre. Dégage cette ombre, je t'ai dit. Bon, le rouge. Le rouge, le rouge. Je vais prendre de l'aquarelle rouge, tout simplement. Je vais essayer un autre pinceau parce que là, ça c'est drôle, non? Non, le rouge, le rouge. Bon, je vais arrêter là et on verra si ça plaît à notre ami. On gardera, sinon je referai une autre version. Je vais signer. Ici pour que ce soit discret. Je signe toujours ce que je fais. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Et peut-être à la deuxième séance, on va découvrir. Ne bougez pas. C'est là que tout s'arrache. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Donc, peut-être que je le reprendrai, je sais pas si... Peut-être qu'on gardera ça et puis peut-être qu'on aura quelques modifications à faire. Voilà.